Bienvenue dans Style Me Up pour une édition spéciale Semaine de la mode masculine. Un rendez-vous quotidien pendant toute une semaine pour tout savoir des tendances automne-hiver 2012-2013 à l'occasion de la Semaine de la mode masculine de Paris. Tendance et must-have, styliste à ne pas manquer et coulisses des défilés, c'est ici que ça se passe. Les créateurs comme Yoshi Yamamoto ou Issey Miyake, un des premiers japonais à défiler en Europe au début des années 70, nous ont donné une certaine vision du style japonais. Épuré, rigoureux et poétique, leur style a jeté une passerelle entre Orient et Occident et provoqué une vraie révolution de style. Y a-t-il une nouvelle voie après celle des précurseurs des années 70 pour les créateurs japonais? Petit aperçu de la nouvelle création japonaise avec Rinsu et John Lawrence Sullivan. Né en 1975, Arashi Yanakawa a débuté sa carrière comme boxeur professionnel, activité qu'il exercera 4 ans avant de se lancer dans la mode. Comme quoi, tous les chemins mènent à la mode. Drôle de parcours pour une marque japonaise, comme son nom ne l'indique pas. L'image de la boxe, c'est quelque chose de violent. Voilà, et pour moi, c'est quelque chose de très beau. Surtout le corps, comme il bouge, hein, comme il évolue hein, quand on boxe. Hein. Et pour moi également, c'est la mode, tout ça, c'est un côté très fort, comme la boxe. Hein, le côté un peu tailored, très au niveau des coupes, hein, tout ça. Je trouve ça très fort. Et il y a un côté très beau hein, qui rejoint la boxe. Hein. Je trouve qu'il y a des ressemblances entre la mode et la boxe sur ce point-là, au niveau de la boxe. Au départ, en fait, donc, je suis allée à Londres, dans les boutiques de vintage, je suis allée chercher des vestes, un peu tailored, j'ai regardé comment elles étaient faites, je les ai démontées pour voir comment c'était fait, j'ai appris un peu tout seul. Et puis ensuite, je suis allée voir les usines, je leur ai demandé des conseils, on a fait des meetings ensemble, on a tenu des petits trucs, voilà, c'est comme ça que je me suis formée. Très populaire au Japon, John Lawrence Sullivan travaille sur des silhouettes et des coupes qui instaurent une rupture avec le style des couturiers japonais que l'on connaît bien en Europe, comme Issey Miyake ou Yoshi Yamamoto. Pour moi, en fait, créer des collections pour hommes, il y a toute une série de règles qu'il faut respecter au niveau des tailleurs, etc. Et c'est à travers ces règles que je dessine les collections. C'est vrai que pour moi, il y a une base, et cette base, c'est tout l'historique derrière du tailleur traditionnel, et j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être pour ça que finalement, je me démarque des autres marques japonaises qui, eux, avaient un style peut-être plus libre, sans problème. C'est sûr qu'il y a une part, je suis sûrement influencée par la culture japonaise, puisque dans la culture japonaise, il y a un style où on mélange les choses street, avec les côtés un peu élégants, et ça je pense que c'est quelque chose que j'ai dans mes collections. Et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a le côté tailleur, là on peut dire que j'ai quand même, effectivement là j'étais en France, enfin, j'ai acheté des vestes à Londres, etc. Et donc là j'ai une influence, on va dire, européenne. Cette saison, Arashi Yanakawa décline sa vision d'un homme optimiste et joyeux, avec des silhouettes très construites et très tailleurs et beaucoup de couleurs. Pour moi, voilà, c'est une silhouette avec des épaules assez prononcées, un côté un peu charse, plus étroit après au niveau de la taille, un côté un peu edgy, et surtout c'est un homme qui a un grand cœur, qui a un côté humain, pour moi c'est important, et justement qu'à travers les vêtements il exprime sa vraie personnalité, son côté humain. Oui, c'est vrai que on ressent ça aussi sans doute à travers la musique. Hein. Une musique un peu comme ça, joyeuse. Les couleurs aussi, c'est important pour moi cette fois-ci. Un côté un peu, avoir des couleurs un peu bizarres, un peu
voilà, comme ça, mais un côté très frais. Je pense que pour les jeunes designers comme moi, c'est important justement d'apporter de la fraîcheur. Créée en 2007, la marque défile pour la deuxième fois à Paris, encore très confidentielle, John Laurent Sullivan ambitionne de se développer en France. Paris, capitale de la mode, est un tremplin. J'ai envie de plaire au public européen. Pour moi, c'est important. Et puis aussi pour moi, Paris, c'est l'image de la mode. C'était important de faire quelque chose à Paris. On peut pas dire que c'est vraiment une stratégie en soi. C'est plus en fait un challenge que je me suis donné parce que bon, je pense que pour les jeunes générations comme moi, c'est important justement d'aller de l'avant et de faire des nouvelles choses, surtout à cette époque, enfin à notre époque. D'autres créateurs japonais ont investi la capitale parisienne. Parmi eux, Rinshu, le label du styliste Masamoto Yamachi, explore des territoires encore bien différents. En juin, pour la présentation de sa collection Printemps-été, inspirée par son film fétiche Blade Runner, il s'est associé au Black Eyed Peas avec en guest star Will.i.am. Pour son 41e défilé parisien, le styliste s'inspire du roman d'art visuel Black Legend qu'il s'apprête à publier en France. Il présentera également un film, 9¾, qui sera présenté au prochain festival de Cannes. Tout ce qui est présenté, toutes les parties un peu spirituelles qui est présentée dans ce livre, c'est ça ce qui est inspiré pour cette collection. Maintenant, voilà, il est en train de s'occuper de montage de ce film. Le message qu'il a mis dans ce film, c'est qu'il a mis, qu'il veut délivrer dans ce film, c'est que voilà, là, on vit qu'une fois, donc il faut en vivre pour être sans qu'on trouble après. C'est à Milan que le designer Tom Brown a présenté pour Moncler une collection automne-hiver 2012-2013 inspirée de l'univers de la Formule 1. Combinaison, veste matelassée et pantalon à bord côtelé élastique de circuit côtoient des tenues plus classiques du paddock. Manteau par-dessus Chesterfield, trench, cap, cardigan, chemise, cravate et pantalon, tous avec différents degrés de rembourrage. Pour la deuxième collection, signée Sacha Valkoff, Christian Lacroix Homme propose un vestiaire riche conçu comme un kaléidoscope, costume de flanelle, manteau en sky, bombers à carreaux, découverte en images. Voilà, Silmiab, c'est officiellement terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve dès demain pour une nouvelle journée 100% fashion. Et d'ici là, surtout, ne lâchez rien.